Voix blanche et farouchée lors de la nuit de noces. C'est vrai que mais monsieur, pour quelle quantité? Non, le drôle. Je veux s'informer par ici. Par ici. Tu dois dire ça. Élise? Monsieur Mirabeau? Élise? Élise? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Un mouchoir. Un mouchoir de dame. Je vois. Donc la moitié des femmes de la noblesse de Paris sont suspectes. Peut-être qu'un domestique le reconnaîtra. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour bien profiter. Soyez au courant, tout le monde, grâce à la gazette. Poison des Templiers, épingle des Templiers, c'est incriminant. Bravo, tu m'as percé à jour. Mon plan diabolique était de tuer le seul et unique assassin qui ne veuille pas ma mort, puis d'attendre gentiment qu'on me découvre. Il n'était pas le seul. Tu as raison, je suis désolée. Mais tu sais que ce n'était pas moi. Je te crois, mais la confrérie...
Alors trouvons le vrai meurtrier avant qu'il ne l'apprenne. Comment va mon ami ? Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi ? Mirabeau est mort. Mort ? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison? Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée. Mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Arnaud. Il y a de l'agitation. Jeune homme, même particulièrement hideux. C'est que j'ai donc livraison à faire. Mort au intérêt.
chercher. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. Je crois pouvoir affronter un apothicaire. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois. Ah, bravo. Attends. Bon sang, reviens ici. Arrête. Attends. Ne me faites pas mal. Je n'ai rien dit à personne. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche. Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore. Je n'ai jamais vu son visage. Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en garde qu'une petite quantité. Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose. La seconde dose? Tenez! C'est tout ce que je sais, je le jure! Fiche le camp! Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend ?